My cousin's a manager at Dakota Mart. They have some temporary positions. Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 37 de Coin du Blu-ray. Épisode 37, toujours consacré à la lettre R, dans laquelle j'ai aussi des gros morceaux de cinéma. J'avais Relique, qui l'année dernière a été un de mes gros coups de cœur dans le genre. J'ai trouvé ça terriblement audacieux et terriblement ambitieux comme moment de cinéma. C'était très très bien foutu. J'ai également des chefs-d'œuvre comme Raging Bull. Raging Bull, immense morceau de cinéma, j'ai même pas besoin de vous l'évoquer, je pense que vous connaissez tous. You fuck my wife. What? You fuck my wife. Man, what did you say? You fuck my wife, you motherfucker. Voilà, il n'y a pas besoin de parler de plus de Raging Bull, je pense que vous le connaissez tous, même juste de nom, le film est très réputé. J'avais envie de faire un rappel, cette fois. Parce que c'est un rappel qui me semblait très important, parce que on va beaucoup parler de cette femme dans les prochaines semaines. Parce que cette femme va présenter aux yeux du monde d'ici peu de temps un nouveau film Marvel qui a l'air d'être très audacieux et qui surtout risque forcément de sortir du lot parce qu'il est réalisé par Chloé Zhao. Et Chloé Zhao, c'est une immense cinéaste que je suis depuis ses tout débuts, que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois et que je trouve extrêmement douée, très talentueuse et qui a une manière de faire que je trouve absolument folle. Et j'avais envie de vous parler de son deuxième film, qui s'appelle The Rider, qui pour le moment reste à mes yeux son meilleur film, un de ces grands moments de cinéma devant lesquels je suis ressorti complètement transporté, et qui encore aujourd'hui ne fait que me transporter encore plus à chaque fois que je le regarde. L'histoire, elle est simple, c'est celle de Brady, qui est un dresseur de chevaux et également qui fait du rodéo, mais suite à un grave accident, il ne peut plus pratiquer ça. Et du coup, il se retrouve à devoir chercher une nouvelle raison de pouvoir pratiquer sa passion et surtout de pouvoir vivre de ça sans se mettre en danger. Le film est extrêmement audacieux parce qu'il a la même démarche que son premier long métrage, qui s'appelait Les chansons que mes frères me chantaient, si je ne dis pas de bêtises. Il a cette optique de vouloir être un film mêlant réalité et documentaire. Et on retrouve ça aussi dans Nomadland, même si Nomadland est porté par Frances McDormand. Tout de même, derrière, il y a cette ambition de vouloir vraiment représenter la communauté nomade. Et on avait eu l'occasion d'en parler avec Nico quand on faisait la vidéo, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a toujours cette ambition de la part de Chloé Zhao de vouloir mêler la réalité et la fiction. Et c'est rigolo parce qu'il y a 2 semaines dans cette émission, on parlait de mêler animation et prise de vue réelle. Et là, on parle de mêler réalité et fiction. Exercice tout aussi difficile dans un genre très différent, mais que Chloé Zhao maîtrise comme peu d'auteurs arrivent à le faire. Et Dieu sait que depuis qu'elle fait sa démarche, il y a de plus en plus de cinéastes qui le font. Et par exemple, il y avait Jafar Panahi qui le faisait beaucoup au sein de ses longs métrages, qui s'amusait à mêler fiction et réalité, à faire en sorte d'avoir une trame narrative qui fasse la base de son long métrage et qui soit de l'ordre de la fiction, mais tout de même de mêler des rencontres et des rapports avec des personnages qui soient issus de la réalité. Et Chloé Zhao a cette même mouvance au sein de son cinéma. Ici, elle va aller chercher des acteurs non professionnels qui vont littéralement, les 3 quarts du temps, jouer leur propre rôle, mais au sein d'une histoire qu'elle aura tout de même écrite et conçue, basée en partie sur leur propre expérience, mais qui va mêler des affres de fiction pour faire en sorte de tout de même créer quelque chose autour d'eux. Et cette démarche, je la trouve folle. Parce que cette démarche, elle donne lieu à des récits qui sont extrêmement évocateurs pour le spectateur, qui sont extrêmement forts, qui sont émouvants, qui sont intenses, qui prennent leur temps, qui développent ce qu'il faut d'émotion, de sensibilité, de réalisme, de crédibilité, pour amener le spectateur à se plonger avec ces personnages et à se dire que ce qui leur arrive, ça sonne comme vrai. C'est vrai. Ça ne peut pas être de la fiction, ça ne peut pas être simplement un personnage qui va vaguement rencontrer une situation qui va le pousser à regarder le monde d'une certaine manière. Non, c'est un instant où ce personnage a une vision du monde et où une cinéaste se met au service de ça. Et The Rider est un message magnifique à toutes les personnes qui ont envie un jour de faire du cinéma une expérience autre que raconter une histoire de fiction complètement brodée de rocambolesque, d'extraordinaire et de fou, et que parfois, simplement en s'accrochant à la réalité, on peut réussir à livrer des récits qui nous touchent et nous transportent. Je sais, je parle beaucoup de mon point de vue ici, mais parce que pour moi, je trouve que Chloé Zhao a réussi à donner une nouvelle perspective au cinéma que personnellement, lorsque j'ai découvert The Rider ou les chansons que mes frères me chantaient ou Nomadland, j'avais pas l'habitude de voir le cinéma de cette manière-là. Pour moi, le cinéma, d'un côté, il y avait le documentaire et d'un côté, il y avait la fiction. Et Chloé Zhao a réussi à me montrer que vous pouvez toujours trouver le moyen de briser cette barrière et d'offrir aux spectateurs
un divertissement ou une manière de voir le monde qui soit très différente. Et du coup, ça fait que ce qui renforce cet impact, c'est aussi la présence de ces nombreux acteurs non professionnels qui, au travers du film, arrivent à livrer des prestations qui sont totalement folles. Enfin, vu qu'en partie, ils interprètent leur propre vie, ces acteurs sont magnifiques et je les trouve très émouvants également. Ils sont très sensibles, d'une grande sincérité, d'une grande justesse et rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil de voir The Rider. Vraiment, je vous conseille de vous plonger dans la filmographie de Chloé Zhao, c'est le bon moment parce que ça va vous permettre d'un peu mieux comprendre peut-être la démarche qu'elle va vouloir avoir au travers des Éternels, parce que je pense qu'elle n'a pas uniquement et simplement envie de nous raconter l'histoire d'un énième groupe de personnages de super-héros issus de l'univers de cette grande firme. Elle a envie de raconter quelque chose de différent. Elle a envie de nous proposer de nous plonger dans un univers où elle va certainement réussir à y apposer ses thématiques, son regard, son intimité si particulière, et je pense que s'il y a bien quelqu'un qui peut réussir à donner un nouveau cachet à cet univers, c'est Chloé Zhao. Et franchement, matez The Rider. Il n'y a pas forcément beaucoup de bonus, par contre. Il y a un entretien avec la réalisatrice, un entretien avec l'acteur principal, Brady Jandro, mais ça vaut pas le coup juste pour ça, ce film. Ça vaut le coup surtout pour le long-métrage en lui-même. Si vous avez l'occasion aussi, sur la chaîne, bon, je sais que là, c'est un peu de l'autopromo, mais allez voir l'interview que j'avais faite de Chloé Zhao il y a très longtemps. C'est une des premières interviews que j'ai fait dans la playlist Rencontre avec. Allez la voir. Elle est très intéressante et on sent que déjà à ce moment-là, elle avait cette optique assez particulière de regarder le cinéma de manière unique. Et je suis toujours ému de me dire que j'ai eu l'occasion de rencontrer une auteure à un moment assez important de sa carrière où elle venait juste de commencer et où on sentait que déjà, elle avait une ambition démesurée. Et aujourd'hui, l'avoir récompensé un peu partout dans le monde, l'avoir repartir avec des prix de meilleure réalisatrice, de meilleurs films, etc. Je trouve ça assez génial de l'avoir grandir ainsi. Et du coup, ouais, je ne peux que vous conseiller de regarder The Rider de Chloé Zhao, immense morceau de cinéma qui vaut largement de coup d'œil et qui, je pense, pourrait traverser les générations si jamais on arrivait à le retenir. Parce que vraiment, c'est un morceau de cinéma unique. À mes yeux, c'est une œuvre folle, démesurée, démentielle et rare. Ainsi s'achève cet épisode 37 de Coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous attendez des Éternels de Chloé Zhao. C'est un truc bête, mais je pense que certains en attendent quelque chose de très formaté et pas forcément de si unique que ça. Et je pense que potentiellement, elle peut réussir à bouleverser cette conception-là et nous faire voir le cinéma d'une nouvelle manière au travers d'un film qui pourrait sembler très sommaire, mais auquel elle pourra apporter tellement de choses. Vraiment, je pense qu'elle a moyen de changer les choses avec ce long-métrage. J'espère que ça sera le cas. En tout cas, mettez-moi dans les commentaires ce que vous attendez de ce film. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.